Hello there. Non, par contre, ça fait vraiment pas sérieux avec ce masque. En plus, c'est le masque de Kylo Ren de Star Wars 9. C'est génial, non? Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma. C'est Esprit Z. Ou plutôt Kylo Ren pour les intimes. Voilà, je suis fier de vous présenter mon petit cosplay de Kylo Ren avec, bien sûr, la cape, le truc de Jedi, le sabre laser à trois lames, et bien sûr, la nouvelle collection des Disney Store, le masque Star Wars 9 de Kylo Ren. Et sachez aussi que ce déguisement, c'est du 10 ans, et ça me va. Alors, si je suis habillé comme ça, ce n'est pas par hasard, c'est parce que là, il est exactement 3h54 du matin. Oui, 3h54 du matin, et vous allez avoir la vidéo le même jour. Ouais, je vais monter la vidéo en même pas 3 heures. Mais je suis tellement hypé par cette bande-annonce, c'est absolument fou. Bien sûr, vous l'avez deviné, aujourd'hui nous sommes de retour pour une nouvelle vidéo réaction, et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce finale de Star Wars 9, l'ascension de Skywalker, et c'est absolument fantastique. Elle vient à l'instant d'être dévoilée sur le Monday Night Football en anglais. Les comptes officiels YouTube de Star Wars FR viennent de sortir à l'instant les bandes annonces VF et VOST. Mais bien sûr, nous on va la regarder en VF. On n'avait pas eu la chance de réagir à la première bande annonce, enfin les images de la D23 de Star Wars 9 en VF, puisqu'elle n'était diffusée qu'en version originale sous-titrée. Mais là c'est bon, nous avons la VF. Nous sommes sûrs qu'il y aura des personnages parlants. Ça va être absolument fantastique. Je suis tellement hypé par ce film. Maintenant, je suis tellement hypé par cette bande-annonce, je suis resté éveillé jusqu'à 4h du mat pour cette bande-annonce. Et je tourne cette vidéo à 4h du mat. Vous allez avoir cette vidéo le même jour. Ce qui insinue que je vais faire possiblement une nuit blanche pour vous offrir cette vidéo le même jour que la sortie de la bande-annonce. Et voilà, c'est absolument fantastique. J'attends avec impatience de faire cette vidéo réaction. Si vous saviez le nombre de semaines que j'ai attendu pour découvrir de nouvelles images de Star Wars 9 depuis le début de la soirée, là, je suis en train de regarder un peu partout sur internet où pouvoir trouver des informations toutes nouvelles sur Star Wars 9, parce qu'on n'a pas eu encore de véritable poster, affiche officielle du film encore divulguée. Ça ne serait tardé, je pense, dans la journée, mais là on va se régaler avec la bande-annonce finale. Je suis très heureux de vous la faire aujourd'hui, et puis on va pouvoir la commencer tout de suite parce que vous avez vu l'intro en début de vidéo, hein, ça remplace l'intro Stranger Things de d'habitude. Sachez que d'ailleurs, comme l'intro Stranger Things, cette intro de réaction m'a coûté 7$. Mais bon, qu'est-ce que je ferai pas pour vous quand même? Cette nouvelle bande-annonce, ou en tout cas oui, c'est la bande-annonce officielle de Star Wars, l'ascension de Skywalker. Elle dure 2 minutes 28, et c'est absolument fantastique. Une bande-annonce longue, qui vient d'être dévoilée à 4h du matin, et qui sera très certainement la dernière bande-annonce de Star Wars 9 avant qu'on ait tous les spots TV, et ça avant la sortie du film le 18 décembre. Et bien sûr, pour ne pas me spoiler, et même je suis sûr qu'il n'y a aucun synopsis disponible sur internet, et bien je ne vais vous lire aucun résumé. Parce que en plus, j'estime que si vous êtes sur cette vidéo, vous avez dû certainement voir Star Wars 7 ou au moins Star Wars 8, parce que voilà, vous devez être peut-être hypé par le film qui va bientôt sortir, c'est-à-dire dans à peu près 2 mois. Ah putain, je suis tout excité. Eh oh. Alors c'est parti. Lumière, moteur, ça tourne. Réaction. Bon, bien sûr, je mets pas le masque parce que sinon, vous allez pas voir ma réaction. C'est absolument pourri. Allez, c'est parti. Lumière, moteur, ça tourne. Réaction. Star Wars 9, l'ascension de Skywalker. Bande annonce. C'est parti. Yes! Ok, on commence sur la forêt. Oh! C'est un instant. Fine. Oh, la transition. Transition. La force nous a réunis. Oh, c'est trop beau. Nous ne sommes pas seuls. Waouh, tous les résistants. Les gens honnêtes combattront. Ah, c'est Rose. Tout le monde peut me connaître. Personne ne me connaît. Ouais. Ah, moi, Kylo Ren. Oh. Wow. Longtemps, j'ai attendu
combat-il ? À présent, votre rapprochement. Yes, le combat. Et votre perte. C'est 3PO. Mais qu'est-ce que tu fais, 3PO ? Je regarde une dernière fois. Quoi ? Mes amis. Non ! Affronter la peur, c'est le destin de tout Jedi. Ah, c'est Luke qui parle. Waouh. Ah. Destin. Wow. Des chevaux, ok. L'histoire vit pour tous. Oh, Kylo Ren encore. Oh. Waouh. La bataille. Oh, c'est Palpatine. Dans un siège. Je serai avec toi. Toujours. Waouh. Et ben on va pas s'en passer d'une petite analyse de chaque scène. Hein. Ok, déjà éclaircissons un peu cette scène si présente. Ok, on voit Rey en train de courir dans une forêt qui s'apparente peut-être à la forêt d'Endor parce qu'on nous a dit « Oh, on va réexplorer une planète qu'on avait déjà vue dans la saga » et beaucoup de rumeurs disaient que on retrouverait Endor, surtout avec les précédentes bandes-annonces avec les ruines de l'Étoile de la Mort. Donc du coup, ouais, c'est possiblement sur Endor qu'elle se trouve et elle laisse un casque de pilote de speeder, je pense que c'est ça. Mais comme un peu le casque qu'a Leia dans le 6 film, oui bon, quand ils sont en train de poursuivre les Stormtroopers dans la forêt d'Endor. Ensuite, on a Rey sur un autre plan, donc un plan assez général, qui la montre en train de passer un précipice à l'aide d'une corde ou d'un petit pont, et c'est toujours dans cette fameuse forêt, et là, il y a une énorme transition, où elle se retrouve très certainement dans les ruines de l'Étoile de la Mort. Donc par-dessus, on a Finn qui parle de la Force, et du fait que lui et quelqu'un d'autre, et on peut penser que c'est Rey, ont été liés par la Force, pour une raison inconnue peut-être, mais voilà, quelque chose qui les lie. Leur destin est lié, d'une certaine manière. Donc quand il dit que la Force les a réunis, Finn est en train de regarder avec des jumelles sur une planète qui s'apparente peut-être à la planète désertique. Et il a l'air quand même un peu apeuré vu ses yeux. Ensuite, on rebascule sur un plan de Rey en train de courir sur cette fabuleuse planète verte. Donc la caméra avance assez vite, mais on voit Rey en train de courir sur une petite colline avec son sabre bleu à la main. Ensuite, on retrouve, alors là, beaucoup plus de résistants qu'il y en avait à la fin de Star Wars 8 dans le Faucon Millennium. Ça veut dire que, alors soit ils ont trouvé une nouvelle base rebelle avec quelques petits résistants qui restaient, ou sinon c'est que, voilà, la résistance a quand même quelques petits alliés par-ci par-là, et ils ont réussi à faire venir absolument toute la résistance dans un endroit encore inconnu. Sachant que l'on voit en plus sur l'image qu'au centre, on le voit à peine, mais il y a Lando Calrissian et C-3PO sur le côté. Donc je vous mets des petites flèches au cas où si vous les voyez pas. Là, c'est C-3PO et là, c'est Lando Calrissian. On le voit avec son pull jaune que l'on voit d'autres moments dans les bandes annonces. Et au même moment, on a aussi Poe qui fait un discours à tous les résistants sur la droite. Alors pendant que Poe fait son petit discours en arrière-plan sonore, on voit Rose, jouée par Kelly Marie Tran, qui a apparemment un peu vieilli quand même, hein. Elle a un peu changé de look par rapport au précédent film, elle a délaissé sa petite blouse jaune pour un truc assez sobre, gris, tout simple quoi. Et pendant cette scène-là, beaucoup de personnes ont l'air de quitter le hangar, mais elle a l'air de regarder quelque chose qui, je sais pas, l'étonne ou l'effraie peut-être, je sais pas. On retrouve ensuite Poe, Chewie et Finn à côté d'un X-Wing sur une planète jungle, qui est peut-être Endor, comme je l'ai dit, mais on peut aussi se questionner sur l'endroit où ils sont, parce qu'on voit quand même quelques petits résistants passer en arrière-plan. Alors, est-ce que c'est sur Endor, ou est-ce que c'est ailleurs? Et surtout, pourquoi est-ce que c'est sur Endor? Et si c'est sur Endor, alors pourquoi est-ce que
Po, Finn et Chewie amènent des résistants avec eux, sachant que bon, ils savent faire le travail eux-mêmes quoi. On voit un énorme vaisseau rebelle arriver sur cette planète de jungle, qui est très certainement le plus gros vaisseau de ce qui reste de la résistance, qui est très certainement le vaisseau de Leia. Enfin, ça dépend si elle est morte ou non à ce moment-là du film. Ensuite, on retrouve un plan de cette fameuse planète où il y a des vagues absolument immenses, qui sera d'ailleurs une des planètes où se fight Kylo Ren et Rey. À ce moment-là, on a Rey parle en fond sonore et qui dit que tout le monde croit la connaître alors que non en fait, et Rey est en train d'attendre Kylo Ren pour son combat. Mais on la voit quand même un peu, elle a l'air très furieuse. Bien sûr, Kylo Ren lui répond que il la connaît. Bon, est-ce que il dit ça parce qu'il lui a fait comprendre dans Star Wars 8 que ses parents, bah, ils n'étaient rien, c'était juste des simples personnes fermiers qui l'ont vendu pour acheter à boire, comme il le dit dans Star Wars 8. Et justement, dans cette scène-là, déjà, il est un peu mouillé par les vagues qui arrivent en pleine face, et il est armé de son sabre laser rouge. J'adore ce sabre électronique. Attention, là c'est un plan extrêmement bizarre parce que je ne sais pas du tout à quoi ça renvoie. Alors c'est peut-être la fameuse planète de la neige où il y aura un autre combat à Kylo Ren Rey qu'on a vu très rapidement dans la bande-annonce de la D23. Et là, on y voit des chasseurs, qui sont bien sûr des vaisseaux du premier ordre. Et ces vaisseaux méchants se dirigent vers une sorte d'iceberg assez grand quand même, mais qu'est-ce que c'est que cet iceberg quand même, hein? Pour qu'en plus il y ait énormément de chasseurs qui s'en approchent, c'est qu'il y a quelque chose qui renferme cet iceberg d'assez important. Ensuite, on voit un putain de trône majestueux qui est... Bon, on va pas se le cacher, hein. Oui, c'est le trône de Palpatine, on le sent venir, c'est le trône de Palpatine sur lequel il a siégé pendant tellement longtemps, on ne sait pas comment il a survécu, mais voilà, il a siégé dessus. Et comme il le dit en fond sonore, ça fait longtemps qu'il a attendu. Oui, 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 ça fait une bonne trentaine d'années que t'attends quand même, hein. Bon, derrière ce fameux siège, on voit quand même des éclairs. Éclairs qu'on va retrouver dans une autre scène juste après, qui dévoile un croiseur qui semble s'élever dans le ciel. Alors là, c'est une des plus belles scènes de la bande-annonce. Parce que là, on retrouve non seulement le Faucon Millennium, mais vous avez vu tous les vaisseaux de la Résistance en arrière-plan. Vous avez vu toute cette grande image. Et là, on peut faire un parallèle avec ce qu'on avait vu dans la bande-annonce de la D23. Là, je vais vous ressortir l'image. Ça, c'est l'image de ce qu'on avait eu dans la D23, c'est-à-dire une image avec plein de croiseurs, et ils étaient absolument fantastiques sur cette image. Et là, maintenant, on a absolument tous les vaisseaux de la Résistance. Le bien et le mal. Youpi. Bon, là, on a une scène qui est formidable. On a Rey aux côtés de Chewie aux commandes du Faucon Millennium, et Finn et Poe qui les rejoint, suivi aussi de ses 3 PO. Ensuite, on rebascule sur la planète avec les grandes vagues pendant le combat entre Kylo Ren et Rey. Attention, là c'est une scène mais vraiment très 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 courte. Il faut pas cligner des yeux pour voir cette scène, et c'est un énorme croiseur, très certainement celui de Palpatine que j'ai développé juste avant, et on voit une énorme explosion à côté. Alors, la forme arrondie de l'explosion pourrait donner envie de dire que c'est l'explosion d'une planète, mais vu tous les débris qu'il y a autour, bon, on peut s'imaginer aussi qu'il s'agit d'un vaisseau. En même temps, bien entendu, on a Palpatine qui dit que le rapprochement qu'ont les personnages principaux entre eux va causer leur perte. Alors attention, il ne dit pas le rapprochement entre tous les héros, il dit votre rapprochement. Alors est-ce que c'est entre Kylo Ren et Rey, ou est-ce que c'est entre Rey et tous ses amis, c'est-à-dire Poe, Finn, Rose, Chewie, C-3PO, RD-22, etc. Et en même temps, on a je ne sais qui, peut-être, et en même temps, on a je ne sais qui sur la fameuse planète avec les grosses vagues et les débris de l'étoile de la mort. Ou de l'étoile noire, je confonds toujours les deux. On a Rey en arrière-plan un peu... inquiète, parce que en premier plan on voit C-3PO et un nouveau personnage, un tout petit personnage un peu bricoleur, qui
Je sais pas, bidouille les fils de la mémoire de C3PO, très certainement. Ensuite, on a BB-8 et le nouveau tout petit robot. J'ai complètement oublié son nom, mais oui, c'est un tout nouveau petit robot. Bon, histoire de vendre quelques petits jouets en plus. Ensuite donc, bah, c'est exactement la suite du plan. On a C3PO avec le derrière de sa tête ouvert avec plein de fils. On a BB-8, le petit robot au nez vert. Et on a aussi donc Po, Rey et Finn habillés différemment un peu. Alors je ne sais pas d'où ils viennent, mais je sens qu'ils ont envie de se réchauffer. Et ça n'a pas l'air d'être dans le Faucon Millenium. Ils sont très certainement sur une planète inconnue. Et ça pour une bonne raison, c'est qu'ils sont accompagnés de Zoriblis. Alors c'est le personnage le plus à côté. Et apparemment, selon les petites news qu'on a eues, ce serait une ancienne amie de Lando Calrissian qui serait ni du côté de la Résistance, ni du côté du Premier Ordre. Ce serait entre les deux. Donc en fait, on ne sait pas dans quel camp se place cette fameuse Zoriblis jouée par Kerry Russell. Alors ça, je crois que ça va en faire pleurer plus d'un. C'est 3PO qui dit qu'il profite de voir pour la dernière fois ses amis. Est-ce qu'on n'assisterait pas à la mort de ces 3PO? Lui qui a accompagné tout le monde depuis le début en fait. Ça fait depuis les années 70 qu'on le connaît avec l'épisode 4 pendant toute la trilogie originale. Ensuite on a eu la prélogie avec lui un peu en argent, mais il y était quoi. Et bien sûr on l'a revu dans le 7, le 8 et maintenant quoi? Comment ça? Il profite de voir une dernière fois ses amis? Vous allez quand même pas nous faire disparaître ces 3PO? Et bien sûr, à la suite de cette fameuse phrase, on voit bien Rey et Finn, mais surtout Rey, un peu triste quand même. Et ça a l'air de faire un peu paniquer R2. Enfin, il a l'air très inquiet R2, surtout que bon, ouais, quoi, voilà, C3PO, R2, ils se connaissent depuis très longtemps, quoi, c'est deux meilleurs amis, quoi. Ils se taquinent l'un et l'autre, c'est des frères. Et bien sûr, à la suite de ça aussi, on a Chewie qui bugle, très certainement de désespoir. Attention, scène importante, on a dans un couloir très certainement d'un croiseur du premier ordre, Po, Finn et Rey qui tirent à coups de blaster contre les Stormtroopers et qui courent dans ce fameux couloir. On a un visuel de Leia, d'ailleurs, RIP Carrie Fisher, t'aurais fêté tes 63 ans hier. Ouais vraiment, je crois que c'est... Oui, c'était hier les 63 ans de Carrie Fisher. Ensuite, on a un petit visuel de BB-8 dans le fameux petit vaisseau sur la planète désertique qu'on a vu dans la toute première bande-annonce du film. Donc ils sont en train d'échapper à des tirs ennemis sur cette fameuse planète désertique. Bon, heureusement, BB-8, il envoie un fumigène pour essayer de semer les ennemis. Et apparemment, avec ça, Finn et Po ont l'air vraiment très heureux que ça soit arrivé. Scène suivante, on a Lando Calrissian qui a vraiment pris un coup de vieux à côté de Chewbacca dans le Faucon Millenium, en vitesse lumière très certainement. Là, on a un super croiseur stellaire en arrière-plan avec en premier plan une sorte de petit vaisseau qui sera très certainement commandé par Rey, je pense. C'est peut-être quelqu'un d'autre, Po, Finn, je ne sais pas, mais je pense que c'est plutôt Rey qui commande ce petit vaisseau. Toujours sur cette fameuse planète peut-être mystérieuse, là où j'avais dit qu'il y avait des éclairs en arrière-plan, là où on voit le trône de Palpatine très certainement et le croiseur s'élever dans le ciel, on voit, alors si c'est vraiment un croiseur, on voit les héros chevaucher ce qui s'apparente à des chevaux. Alors là, c'est une très belle scène que je n'ai pas forcément vue, mais juste en faisant scène par scène, là je viens de le voir à peine à l'instant. Waouh! On retrouve Rey et Kylo Ren dans la fameuse salle de l'Empereur dans l'épisode 6, Le Retour du Jedi. Et si vous ne me croyez pas, ben vous pouvez voir un peu le décor, voilà, la grande vitre, vous pouvez voir le siège dans lequel est Sidious dans l'épisode 6, et c'est absolument fantastique, voilà. Alors si ça se trouve, ils vont retrouver le réacteur dans lequel normalement est censé être mort Palpatine. Ils vont très certainement voir son fantôme sur son siège, là, posé tranquillement, pépouze, sur cette même planète où il y a d'énormes vagues et où normalement Rey et Kylo Ren vont s'affronter, on voit Finn qui s'élance pour, je sais pas, sauver quelqu'un peut-être. Et juste avant que l'image se coupe, on le voit crier, mais de terreur. Alors, ça s'annonce très mal, parce que si Finn crie de terreur de cette manière-là, il y a très certainement quelque chose d'horrible qui va arriver à ce moment-là.
Est-ce que Rey sera blessé grièvement? Alors, est-ce que Rey va crever? Alors, ce serait vraiment culotté de faire ça. Sinon, ce serait peut-être Rose ou Poe ou Chewbacca. Alors là, si c'est Chewbacca, crève! Quoi? Dans Star Wars 7, ils ont fait disparaître Han Solo. Dans Star Wars 8, ils ont fait disparaître Luke Skywalker. Dans Star Wars 9, c'est baisé. Leia Skywalker va disparaître aussi. Lando Calrissian, très certainement aussi. C-3PO va très certainement disparaître aussi. Si, ils nous font tuer Chewbacca, mais là, c'est bon, d'accord, la saga Skywalker est finie parce qu'il n'y a plus personne de la saga originale. À part R2, mais espérons que R2 survive. Alors attention, là, je ne sais pas comment décrire cette scène. Je ne sais pas du tout. On a Rey muni de son sabre laser bleu et Kylo Ren muni de son sabre laser rouge. Et muni de son casque aussi. Qui détruisent je ne sais quoi. Alors là, est-ce que ce serait un chevalier de Ren? Alors si c'est vraiment un chevalier de Ren, bon d'accord, il est fait de pierre, de poussière, parce que là, il n'y a vraiment que des éclats de costumes, de métal quoi, qui s'envolent. Je ne vois pas du tout ce que c'est cette scène, je ne comprends pas cette scène. Par contre, on peut voir un peu le décor est complètement fait de blanc. Alors là, de toute la saga, le seul moment où j'ai vu un décor assez blanc, c'est dans la Cité des Nuages, avec Lando Calrissian. Mais je suis pas sûr qu'on retrouve Lando sur sa Cité des Nuages. Alors, où peut se trouver ce fameux décor blanc? Alors là, bonne chance pour trouver ça. Ensuite, on a C-3PO, Finn et Poe en premier plan et certainement un rétroprojecteur en arrière-plan, donc je sais pas ce qu'il regarde, je sais pas. Alors là, c'est très certainement la bataille finale, la bataille ultime, avec des croiseurs en fond, des fighters, des chasseurs. Et oui, là, je crois qu'on a la confirmation, c'est bien sur un énorme croiseur que se trouvent nos chers héros. On les retrouve tout en bas de l'image, sur leurs petits chevaux, en train de galoper sur un croiseur, au calme. Heureusement, on a quand même quelques petits gentils, on a juste un vaisseau rebelle qui se fait suivre de près par un tout petit vaisseau méchant. Ensuite, on retrouve Kylo Ren, sans son casque, dans ce fameux décor plein d'éclairs. Et c'est dans ce même décor que sur une nouvelle scène, on retrouve Rey absolument toute seule, sans son sabre laser à la main, et à gauche de l'écran, dans un siège. C'est sûr à 100%, on le voit, il y a sa capuche, c'est Dark Sidious, Palpatine. Et bien sûr, le dernier plan de la bande-annonce, Luke qui dit à Rey, la force sera avec toi. Et bien sûr, il y a Rey en premier plan, avec son sabre laser bleu à la main. Et bien sûr, juste après ce que dit Luke Skywalker, c'est-à-dire la force sera toujours avec toi, Leia qui enchérit et qui dit toujours. Ce serait vraiment trop cool de voir non seulement Luke en fantôme, mais aussi Leia en fantôme. Parce que quand même, on l'a vu dans Star Wars 8, elle sait contrôler la force. Et elle fait partie de la famille Skywalker, c'est pas n'importe quelle famille. Donc du coup, je ne vois pas pourquoi elle ne ferait pas partie de ces fantômes de la force. Alors c'est vrai que je m'attendais à un peu plus de scènes, mais je comprends J.J. Abrams, parce que oui, c'est lui le réalisateur du film Star Wars 9. Je comprends J.J. Abrams, parce qu'il l'a dit dans plusieurs interviews, son but c'est de dévoiler le moins de choses possible, un peu comme a fait Avengers Endgame quoi. C'est dévoiler le moins de choses possible pour dévoiler énormément de surprises lors de la diffusion du film dans les cinémas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à suivre toutes mes autres vidéos et à me suivre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z, ou plutôt Kylo Ren, ou Ben Solo, c'est comme vous voulez. C'était Kylo Ren, coupé.